Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de votre émission 52 minutes chrono, le 13e depuis le début de la saison. Et l'actu est riche et variée pour ce lundi, à commencer par le traditionnel Cross Klouch qui porte le nom du Shahid Ahmed Klouch, une 44e édition qui a pris une dimension internationale et qui a rassemblé pratiquement toute la famille de l'athlétisme algérien. On y reviendra avec nos invités. Le judo avec le championnat excellence à la salle Harcha Hassan, le GS pétrolier domine les débats avec 9 médailles d'or. Et puis en handball, Mila et Wergla rejoignent le GSP et la GS Skikda au play-off, alors que les pétrolières terminent la phase aller en première position. Toute cette actualité à débattre avec nos invités et nos collègues, notre consultant maison Abdelnour Belkhir et Wahiba Belhoua qui est de retour. Messieurs dames, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir amis sportifs, et j'espère que les Algériens ont passé une bonne fin d'année et que l'année qui vient de s'ouvrir leur apportera les joies et pratiquement toute la réussite attendue par l'ensemble de nous tous. Très bien Waïba, bonsoir. Bonsoir nos invités, Waïba de retour. Je souhaite une très très bonne année pour le public sportif et surtout pour tout le peuple algérien. Beaucoup de santé et beaucoup de réussite dans leur vie personnelle et sportive aussi. Et sportive également, puisqu'on parle de sport chaque lundi sur Canal Algérie. Comme annoncé au titre, donc le thème principal, vous l'aurez compris, il s'agira de parler du traditionnel cross Ahmed Klouch. Le Shahid Ahmed Klouch qui a marqué son temps et qui a marqué l'histoire de la révolution algérienne dans les deux domaines, politique et sportif. Et pour la circonstance, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de 52 chrono, et c'est une première et c'est un grand plaisir de l'avoir parmi nous, le frère du Shahid Ahmed Klouch, le frère aîné du Shahid Ahmed Klouch, Abdelkader Klouch, qui est avec nous et qui s'est déplacé de Chleuf pour venir témoigner surtout de cet homme qui a marqué l'histoire du sport et de la politique algérienne. Ami Abdelkader, c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. Tout l'honneur est pour nous, la famille Klouch, Chleuf, Lasnam, Orléansville, Bakri, d'avoir les faveurs de notre télévision, Canal Algérie, bien sûr, et qui nous permet d'évoquer une époque. Très bien. Voilà. On va revenir sur justement cette époque où Klouch a débuté cette première discipline olympique, à savoir l'athlétisme et plus spécialement le cross-country. Beaucoup d'athlètes ont défilé sur le parcours de Chleuf pour gagner l'édition du cross-Klouch. Et parmi eux, un grand champion également qui est parmi nous aujourd'hui, à savoir Boula Marhoui, le premier champion après l'indépendance à avoir gagné la médaille d'or du 3000 mètres steeple. C'était aux Jeux méditerranéens de 1975. Vous aussi, c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. Ça faisait très longtemps qu'on ne vous a pas vu sur les plateaux de télévision. Boula, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Je vous remercie justement pour cette invitation, et à l'occasion de ce plateau, je voudrais souhaiter tous mes voeux de bonheur, de prospérité et de santé, surtout pour tout le peuple algérien. Que la paix revienne dans notre Algérie, tant chérie, tant aimée. Voilà, c'est les paroles d'un sportif de valeur qui a marqué son temps, notamment lors des années 70 et 80. Un journaliste qui les a suivis depuis le début, donc depuis la première édition de Ahmed Klouch. Donc c'était les années 60, juste après l'indépendance et juste après le décès, avant de découvrir l'histoire, juste après le décès du Shahid Ahmed Klouch. Adama. D'abord, moi je suis très content d'avoir en face de moi mes chers amis. Monsieur Abdelkader Klouch, que j'ai connu il y a 42 ans. Moi, j'ai assisté à l'édition de 74 en tant que journaliste, et puis en tant qu'entraîneur, j'avais engagé des jeunes athlètes à l'époque qui ont fait carrière et qui ont pratiquement réussi des résultats assez probants. Haddad avait gagné, mon athlète avait gagné l'équipe, la couche des minimes, dans la même compétition, dans la même journée. Abora avait gagné celle des cadets et puis Harek avait gagné celle des juniors. Et depuis, chemin faisant, ils ont réussi quand même une carrière bien remplie. Monsieur Abdelkader Klouch, un homme très sage, un homme très respecté, écouté à Chleuf, et en quelque sorte l'âme
disons, l'âme, le poumon de l'organisation. C'est quelqu'un qui s'est dévoué corps et âme pour la réussite de toutes les éditions. Une édition, le Challenge Cruche, comme il me l'a si bien rappelé, a commencé en 61, c'est ça, monsieur Abdel? Le 24 décembre 1961. Ce que bon nombre d'entre nous ignoraient. Et depuis, disons, depuis les débuts des années 70, c'est grâce à lui, c'est grâce aux efforts aussi du groupe, parce que lui, M. Abdelkader Kloch, a toujours fédéré autour de lui des dirigeants dévoués, compétents, comme Rahou, comme Della, comme Hamouni. Et c'est grâce à eux, à leur dévouement, que le challenge en question a fait tache d'huile. Très bien. Alors, M. Kloch, on va revenir justement sur l'avant-indépendance et surtout durant cette période où Ahmed le Shahid, votre jeune frère, puisque vous êtes l'aîné de 4 ans, a débuté l'athlétisme. Oui. Donc, l'époque, on la connaît, mais surtout dans quelles circonstances le jeune Ahmed Kloch avait débuté sa carrière d'athlète? Bien, ça remonte à 1958. Où le lycée d'Orléansville organisait ce qu'on appelle le challenge du nombre. Au début de la scolarité, le lycée organise le challenge du nombre, où tout le monde court. Le challenge du nombre, tout simplement, c'est le sport de masse, si vous voulez, à ses débuts. Donc, et tout le monde court, et c'est là où naissent les grandes gloires. Voilà. Alors ensuite, il a continué avec ce qu'on a appelé les foyers sportifs. L'administration française, l'armée française bien sûr, pour essayer de détourner la jeunesse vers ce qui pouvait l'occuper, comme le sport, comme les jeux, comme etc. Il y avait les foyers sportifs. Les foyers sportifs ont révélé de grands champions dans toutes les disciplines. Lui, il était avec. Et puis, il se déplaçait en GMC, bien sûr. Et c'était dévalorisant, parce que lui, inscrit dans une famille révolutionnaire, monté dans un GMC, un jour... GMC, il faut expliquer que c'était le camion bâché. Oui, c'est militaire. GMC américain, c'est bien sûr. Militaire, c'était un moyen de transport militaire. Le GMC et la Jeep... Ce sont les deux bêtes noires du peuple algérien de l'époque, parce que quand on voyait la Jeep, c'est le lieutenant qui est derrière et qui va. Bon. Alors, il a écrit une lettre au journal d'Alger. Le journal d'Alger, je vous rappelle, c'est un journal qui se disait libéral. Il n'était pas aussi méchant que l'Écho d'Alger ou l'Hebdo de Pêche. Donc, il donnait la chance même aux Algériens. Voilà, le journal d'Alger était une tendance, n'est-ce pas, un éditorial qui avait un certain... Ils ont moins de moi, oui. C'est Jacques Chevalier, c'est un peu les gens qui avaient un espoir que l'Algérie n'aille pas aux extrémités. Ils étaient un peu sympathisants de la cause nationale. Voilà, c'est ça. Alors, il écrit cette lettre et le journal d'Alger transmet la lettre à M. Mohamed Mishkal. Qui ne connaît pas l'Hajj Mishkal. Lui écrit une lettre et lui dit, viens à Alger, je verrai avec toi. Alors il lui dit, bon, j'arrive à la gare d'Alger, comment vous me reconnaîtrez-vous? Il lui dit, bon, porte quelque chose et donne-moi le... Il lui dit, j'ai un pull de couleur, etc., etc. Bon. Il arrive ici, il le reconnaît rapidement et il le prend avec lui. Et ici commence l'histoire de Ahmed Kloch. Il commence à faire de l'athlétisme et petit à petit, Il l'a inscrit à l'AS Miri d'Alger. L'AS Miri d'Alger. Qui avait la particularité d'avoir les maillots avec une bande verte. Verte. Comprenne qui pourra. C'était vert et blanc. Voilà. Très bien. Les gens avaient une certaine... Même au-delà de l'indépendance, ils ont gardé les mêmes couleurs. Petit à petit, il révèle ses qualités de voilà. grand... Alors, il est inscrit dans un cross à Dil Ibrahim, il y a une photo là, et puis le championnat d'Alger, il détrône ceux qui caracolaient à la tête de... C'était Adam et Tazahirt. Devenu plus tard un spécialiste voilà, de droit ou quelque chose comme ça. Voilà. Il les a détrônés du premier coup. Il a, au
au deuxième voyage, il ramène Gnaoui avec lui. Et il continue. Les inséparables. Voilà. Et il devient un grand champion. Et il gagne beaucoup de titres. Oui. Et Herbi Rahmo, le pauvre, il se fait assassiner en 61, à quelques mois de l'indépendance. Racontez-nous dans quelles conditions l'assassinat a eu lieu, surtout. Bon, il avait... C'était un mercredi. Mercredi soir. Mercredi, il vient, c'est-à-dire... ils ont couru le 12, dimanche 12 mars. Et ils sont restés là-bas. Il y avait Charlie Bonardi qui faisait Algérie à l'époque, qui s'occupait d'eux là-bas. Mmh. Il les a emmenés voir le Parisien libéré, l'équipe et l'humanité surtout. Mmh. Et là, il voit beaucoup de monde. Et, bah, il a des photos là-dessus. Et puis... Kanouvi Ramadan, Jiraou Saïmine, ils ont tout fait pour les faire manger, ils n'ont pas voulu. Et puis nous aussi, bien sûr. Alors, quand il a manifesté le désir de revenir, ils lui ont dit, mais vous êtes capitaine de l'équipe de France, vous devez conduire l'équipe de France à Nantes pour le Cross des Nations. C'était le Cross des Nations à l'époque, c'est pas le championnat du monde. Non, c'est le Cross des Nations. Cross des Nations, parce qu'il y a 5 ou 6 nations il y avait 6, qui mettent le rugby. À Nantes, le 26 mars. Il leur dit non, pas possible, il faut que je rejoigne mes parents, il faut que je passe les fêtes avec eux, etc. etc. Bon, il est quand même venu, ils sont venus le mercredi de France, ils sont passés à la radio Alger, Ken Othman Amberlay Rahmou. C'est lui qui faisait. Il a fait une petite interview, ils sont revenus sur. Et puis ils sont repartis l'après-midi, avec Gnaoui, l'Asr Lahgoul, le Snam. Vers les coups de 5 heures. Voilà. À le Dar, et il trouve 4 moudjahidines à la maison. Un homme Wahed, qui lui avait promis, Sissé Al-Mahda, commissaire politique, à chaque fois il lui demandait. Dîner le Tunis, parce qu'à Tunis, il savait qu'à Tunis, il y avait une équipe auréolée. C'est le chef qui demandait à Salem de le prendre à Tunis. L'équipe du FLN était très connue à l'époque et il voulait absolument les rejoindre pour, je ne sais pas, courir comme il. Voilà, et représenter l'Algérie en lutte. Et à chaque fois, il lui disait non, c'est pas maintenant, tu n'es pas connu, tu n'es pas, etc. Et lorsqu'il est revenu de France, il lui a dit, bon, maintenant tu m'emmènes à Tunis. Il lui dit, ah, maintenant oui. Si tu pars à Tunis, les autorités françaises vont te regretter parce que tu es le champion de France qui doit conduire l'équipe. Ça, c'est le jour de l'assassinat, la discussion. C'est le jour de la discussion avant qu'il sorte. Et dans quelles conditions l'assassinat a eu lieu? Bon, l'assassinat, c'est des amis qui sont venus le chercher. Je lui dis, attention, chez nous, ici, là où nous sommes, le feu, c'est à 21h. Mais en quelques centaines de mètres plus loin, c'est la ferme, c'est minuit, parce que c'est urbain. Très bien. Nous, on est un peu... Okay. Un peu à l'écart. Et il m'a dit, non, je reviendrai rapidement, etc. Bon, il est parti, je trouve la ferme, Sahab ou Kada, et il a entendu des tirs. Ses amis me racontent qu'il s'est inquiété parce qu'il y avait 4 moudjahidines dans la maison. Donc, ils lui ont dit, reste dormir chez nous. Non, il faut que je parte. Parce qu'à la maison, il y avait... quand il entend des tirs, c'est qu'il y a... Et comme on était ciblés. Parce qu'il savait qu'il y avait... Il y avait les moudjahidines à la maison. Voilà. Et... C'est une base de repli. On va écouter la version de son compagnon de route, Bahloul Gnaoui, qui était présent avec lui, qui était présent. Il a assisté à l'interview à la radio. Il est revenu avec lui à Chlef vers les coups de 5 heures. On l'écoute et on revient juste après. الأصابر ذكور 187 عذاب محمد كلوش
Ah, c'est les images. On revoit avec grand plaisir les images du Shahid Ahmed Kloch avant de découvrir l'interview de Bahloul Gnaoui sur les conditions de l'assassinat du Shahid Rabbi Yarhamo. Et c'est important pour l'histoire et surtout pour la jeunesse. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va écouter Bahloul Gnaoui revenir sur cette journée du 26 mars 61. 16 mars. 16 mars 61. كنا جينا من فرنسا درنا شامبيونات دو فرانس جينا في رحبه الاربعاء بتنا باب الواد عند المدرب تاعنا صباح رحنا لميريدا الجي درنا انترفيو بالراديو الوحده ركبنا على الخمسه كنا احنا في البلاد من بعد انا كنت قال لي قناوي دار لي مونويه قال لي قناوي انا نروح نحكم تاكسي وانت روح من البقعه بون انا خذيت الرايه بانك تاع الرايه وخذت الدار تكلم لي انسان قال لي يا قناوي ما تفوتش الرايه ممنوع كنا صغار ما على بالك ما نمتوش دينا قطع الرايه تلاقيت مع العسكر بغى يتيري لي واحد الحركي ذاك الحركي كان مقابلو قوري قوري ما قالو ما تيريش حبطوني فتشوني صابوا عندي باري مات راح لي راح كان في عمرك الوقت هذا؟ 16 هو 16 كنا جينيور ذاك الوقت احنا كنا ما نعرفوش واش مش كاين نعرفوا الرياضه كنا ما نقبلوش والله العظيم اخوة على جال درابو الجيريان درابو الجزائر والشرف تاعنا ما نبغوش قاوري يربح كان تا زايرت لا قاير كان عيط القور كانوا كالي العرب في ماتيك بصح كي لحقنا ليهم حنايا والله العظيم ما تشوفوش معنا الضوء ما نبغوش واحد يربحنا والتاريخ تاعنا هاك تفتشوا عليه سوا سوا في المجاهد من 60 حتى 61 تسيبوا لي فوتو تاعنا فما وتسيبونا حنايا كنا نشرفوا الجزائر ذاك الوقت من بعد. Et vous avez dignement représenté l'Algérie. Voilà dans quelles conditions le Shahid Ahmed Kloch a été assassiné par l'armée coloniale à quelques jours de la participation au championnat du monde. Ironie du sort, le président de la fédération envoie une lettre au gouvernement de l'époque pour leur dire surtout de bien prendre en charge l'athlète. Mais c'était un petit peu trop tard, c'est bien ça. Une petite rectification, c'est Maurice Herzog. C'est pas le ministre, ministre de la jeunesse et du sport, le vainqueur de l'Annapurna dans l'Himalaya en 1953. C'est lui qui a envoyé un télégramme au préfet de l'époque qui était Sadaqou Rabah, un Algérien qui était préfet, qui a fait beaucoup, beaucoup pour Orléans-Ville à l'époque. L'OAS, il a remis l'OAS à sa place. Il lui disait veillez sur la sécurité du jeune champion, jusqu'à ce qu'il revienne ce soir-là. Rabbi Rahmou, le Shahid Kloch. Bouala Marahoui, vous étiez jeune à l'époque, vous n'avez pas encore commencé à courir, à pratiquer l'athlétisme, mais en même temps vous entendiez parler, puisque vous êtes de la région rouennaise, vous entendiez parler un petit peu de Ahmed Kloch, du Shahid, et du cross qui allait prendre l'ampleur de quelques années plus tard, et dans lequel vous aviez participé et gagné 3 crosses. Ben oui, bien sûr, effectivement. Moi, je suis beaucoup plus jeune que Ahmed Allah Irhamo ou que Gnaoui ou Gouasmé. À cette époque, bien avant l'indépendance, j'étais encore, disons que j'étais encore CEM en quelque sorte, un peu au lycée. Hein. Moi, j'ai découvert pour ma part la course à pied, je l'ai découverte au lycée en 1966. Voilà, c'était dans les crosses scolaires. Et puis, à force de concourir, donc, j'ai commencé à entendre que le cross clochada, c'était un cross quand même assez relevé, etc. À Orléans-Ville et tout, de l'époque. Et ma première participation, c'était en 1969. Mon premier cross clouch, c'était en 1969, que j'ai tenu à remporter, et je l'ai remporté. Voilà, ça, je me souviens. Sachant qu'il y a une belle histoire à raconter, surtout. Ahmed Kloch, c'était un grand champion, et puis c'était un honneur. C'était un honneur pour nous. Shahid. D'ailleurs, chaque année, il y a une participation bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a de 25 wilayas pour représenter. Bien sûr, bien sûr. Ahmed Kloch, là, moi, c'était un très grand athlète. Puis il était champion de France. Avant de venir à Alger, si vous permettez, il avait commencé chez l'entraîneur Chouchi, c'est bien cela, sa carrière. Il était un de ses entraîneurs, M. Chouchi.
Chouchi à Chelef, il était un de ses entraîneurs. Chouchi ou bien Chouchi ? Je ne sais pas si c'est Chouchi. Chouchi ou bien Chouchi, il y a un entraîneur qui l'a géré. On va écouter, il dit beaucoup de belles choses concernant Ahmed Klouch et on revient juste après. Chouchi, il a son âge. C'est moi, ça. Alors, monsieur Chouchib, on apprend quand par hasard que vous avez été l'entraîneur de Ahmed Klouch. Racontez-nous un petit peu comment vous avez recruté Ahmed Klouch et sur quel match. On a recruté les jeunes Hadou pour le sport. بدينا تما تلايم وكاع ولا غير اللي جي 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 يا بيان فويت على جون فويت على جون اون سيكوندي سي كوم انا ديجا جي دي فوتو ام عندي لي فوتو مي راكونتي نو كومون لا مونتور ا ديبيتي افيك لا لا يا بي قلت لك سونتر تاع تاع لي جون سونتر تاع لي جون جا معاهم الى كوموسي لو سبور خلاص سي سونتي ابري هو وقناوي رابيدمون فوز افي ديسلي لي كاليتي دو احمد كلوش بيان سور هاو ما شاهد انا ديت تشلف اه vous étiez présent à l'époque où il a été assassiné. Non, je sais qu'il a été assassiné la nuit. Vous pouvez nous parler de la personne. On va les voir, mais beaucoup plus on a besoin de témoignages, surtout pour que ça reste dans l'histoire. Ah, ouais, ce matin, il s'est. Ouais, c'est ma fête. Maintenant, j'ai constaté que l'avenir est assuré. Alors, c'est pour ça que ce matin. C'est quand on voit que nous, Firahba, on voit que nous, Fellil qui a fait l'Askar. Arbi Rahmou Shahid Ahmed Klouch, je rectifie, c'était un 16 mars 61, à quelques mois de l'indépendance de l'Algérie. Le cross porte aujourd'hui son nom. Il est à la 44e édition. Avant de découvrir les courses qu'il y avait au programme de ce challenge Klouch, avec une participation record, plus de 1200 athlètes. Abdelnour Belkhir, un petit témoignage. Moi, je voulais, pour ne pas faire une entorse, pour ne pas manquer de respect à l'histoire, je voudrais donner une petite précision. Le Shahid Ahmed Klouch avait gagné le championnat de France sur l'hippodrome du Tremblay. À plate couture, il avait aligné pratiquement les favoris en puissance. Il a même gagné, un exemple, il a gagné Jean Vadeau, qui a abandonné. Et ce même Vadeau qui a été recordman du monde du 1500 mètres. C'est vous dire un peu l'immense étendue, le potentiel qu'il avait, le regretté Ahmed Klouch. Et triché. Voilà. Triché, qu'on dit que c'est l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne. L'un des athlètes. Donc l'un des athlètes. Il est derrière. Il était un peu l'ego de Michel Jazzy. Hein. Vadeau Jazzy. Jazzy était senior à l'époque. C'était un petit peu presque la même période. Voilà pour la partie historique, surtout pour les jeunes. On va revenir en image sur. Ce cross Klouch qui a eu lieu samedi sur le très beau parcours de Chelef avec une participation record, 1265 athlètes dont 319 filles, 94 clubs représentés, représentant 25 wilayas et 5 nations étrangères. Retour sur le challenge et on se retrouve juste après. Les cadettes étaient les premières à planter le décor de cette 44e édition qui a connu une grande réussite. Une course dominée sans surprise par la sociétaire de l'école de Borj Baïj, Khadija Habash, devant Yamina Dahmani de Ténès et Yasmine Bendouga de Sétif. Habash qui n'est pas à son premier succès de la saison. توشاني نعمل بجد نلقى روحي مليحه بزاف اللي كرسي يعني نربح فيهم ربحت ولايه بسكراب مرتبه الاولى ولايه بجايه ربحت مرتبه الاولى وولايه شلف المرتبه الاولى. Khadija sera imité quelques instants plus tard par son coéquipier à Borj Sabr Abed qui devance Fers Azdin du Krom Tlemcen et son jeune frère Akram Abed. Sabar chanceux ce jour-là, puisqu'il fait la connaissance du frère du Shahid Klouch en possession d'une de ses médailles qui date de 1961.
c'est la médaille du champion de France de cross-country junior, disputée le 12 mars 1961 à l'hippodrome Le Tremblay, près de Paris. Voilà. Et cross. Fédération française d'athlétisme. Cross. Aïe, là, la tête. Premier. Chez les juniors filles, là également la logique a été respectée avec la victoire de Souhila Zantar de Bousmaïl devant Touati Sara de Ouled Mimoun et Wiham Kharoubi du CRB Tachta. La rude concurrence a caractérisé ensuite la course des juniors garçons entre Ayman Boulainin de Bourjouaraïj, Joudar Ali de Ain Defla et Youssef Ben Qadda de Moustaganem. السباق كان يعني قوي جدا في الباركو تاع شلف، باركور يعني قوي صعب ورابيل بزاف، والسباق الثاني كان هو السباق تاعي العام هذا من الشركه الاولى تاعي، ان شاء الله كان سباق جميل جدا، اول حاجه ايش الاختبارات بطوله وطنيه ان شاء الله بطوله عالميه ان شاء الله. Et il fallait attendre la course des seniors dames pour assister à la première et seule victoire étrangère dans ce challenge. Et elle est l'œuvre de l'Éthiopienne Ansa Wainshot qui survole la course devant Reham Sennani et Malika Benderbel de la protection civile. Il y a 20 ans et il y a la troisième championnat du monde. Il y a un peu de temps et il y a un peu de temps. Et alhamdoulilah, nous avons vu que le WFD est venu. Avant-dernière course au programme, le cross-cours senior messieurs dominé par les deux pétroliers, Lili Taqiyedine et Bilal Tabti, en troisième position, Hossein Zerkan du Kromchlef. Le meilleur et le plus long pour la fin, là où Hichem Bouchicha étouffe tous ses adversaires pour s'imposer devant Meftah Fethi de Ouled Mimoun et son coéquipier de la sélection nationale militaire, Mansour Harawi. C'est pour qu'il y ait une tactique qui est sérieuse avec la Fari Gadouk ou l'autre. ولكن الحمد لله يعني قدرت وفقني ربي وقدرت باش نفوز بهذا السباق يعني تجاوزت كل الظروف يعني كما تشوف الميدان تاعو شويه يعني شويه وعر ولكن الحمد لله قدرت نفوز بالسباق هذا والحمد لله يعني pour nous c'est une tradition de la participation en cross country la participation des étrangers tels que les Kenyans et les Marocains c'est pour nous c'est une occasion pour une bonne évaluation pour nos athlètes c'est une étape de préparation pour nous pour la sélection nationale civile ou militaire pour la saison 2016-2017. Forte participation de la sélection nationale militaire. Bala Marhoui, 44 ans plus tard, 44 éditions plus tard, les jeunes sont là, ils sont plus de 1200 à représenter dignement et Chahid Klouche et vous qui étiez ancien champion. Allah ibarak, oui, bien sûr, la partie existe. Vous étiez présent. Oui, bien sûr, là, j'étais présent. Pratiquement, je n'ai pas trop raté de cross-cloche, sauf pendant les moments les plus difficiles où la jury était un peu vu ma fonction, mon travail, etc. Et tout ça. Donc, je m'étais un peu écarté du sport par nécessité de travail donc professionnel. Et puis, bon, maintenant, je suis revenu, je suis dans le sérail, comme on dit. Mais ça va, ça fait plaisir. Hein. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de clubs. C'est une participation encore. Hein. Même à mon époque, j'ai remporté ce cross pendant 3 fois. Donc je détiens le record donc, de la victoire Klouche. Trois titres. Et je détiens le record d'Algérie aussi sur national en cross-country. 3 fois. Et ce qui fait l'honneur de la famille Klouche qui est présente chaque édition pour honorer le Shahid. Oui, ben, on a été... Ben, c'est un devoir. Le cross. Vous avez ramené une très très belle médaille. Oui, c'est la médaille du champion. C'était en 1961. Le jour de la victoire. Le 12 mars 1961. Voilà. Le 12 mars 1961. Patient, on va la montrer comme ça en gros plan. La caméra là, en gros plan. Ouais. Exclusivement pour Canal Algérie, une belle médaille, la médaille du Shahid Hamed Klouche. Et c'est peut-être la première fois qu'elle est sur les écrans de Canal Algérie. La date est derrière, je ne sais pas si vous pouvez la prendre en. Elle est prise donc. Voilà, donc ça c'est la date. Pour ceux qui aiment
la course à pied et l'histoire et ça, c'est la du, sport et la, du sport algérien et de la c'est vrai, bon, pour moi, je pourrais dire, j'ai passé pratiquement 28 ans de ma vie dans l'équipe nationale de cross-country et d'athlétisme. Je n'ai jamais rencontré une médaille aussi belle et aussi mignonne que celle-là. À l'hôtel, le jour où je voulais je vous ai montré donc, oui, la oui, bien sûr, Fichai. Bien sûr. J'en suis fier. Voilà. Ça va faire partie du patrimoine national sportif. Ah, absolument, absolument. Il faut la garder soigneusement et surtout ne la prêter à personne, surtout nous les journalistes. Parce qu'ils sont généralement... Voilà. Pour peut-être qu'on peut la mettre dans un musée. Musée olympique, musée pourquoi olympique. Pas oui, bien sûr. On va ouvrir très prochainement le musée. Voilà, oui, musée oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et pour le moment, elle est soigneusement gardée depuis 1961. Absolument. Et bravo encore une fois. Et le majoul khoudoud les shuhada'ina al-abrar. On continue avec le cross, vous étiez présent. Et il y avait également le secrétaire général de la Confédération africaine d'athlétisme pour superviser un petit peu l'excellent parcours de Chleuf et également la piste d'athlétisme de Tlemcen pour les championnats d'Afrique juniors qui vont avoir lieu cette année au mois de mai à Tlemcen sur piste. Et les championnats d'Afrique de cross-country la saison dernière, en 2018, sur le parcours de le parcours de Chleuf. On écoute le secrétaire général de la Confédération africaine d'athlétisme. Concernant le cross également, nous avons pu découvrir ce magnifique parcours d'abord et ensuite noter la mobilisation populaire qui accompagne cet événement que moi-même je viens de découvrir. Ce matin, nous avons eu l'honneur d'avoir la présence des autorités régionales, à savoir le Wali et tout son staff, ce qui témoigne aussi d'un intérêt particulier accordé à cette compétition. Cela nous rassure, d'autant plus que nous allons y revenir dans moins d'un an pour y organiser les championnats d'Afrique de cross-country. Je pense que nous avons aussi effectué un certain nombre de parcours, notamment le directeur technique de la compétition. Nous avons relevé certaines choses que nous communiquerons au comité local d'organisation pour des améliorations aussi à apporter. Mais en gros, nous sommes assez satisfaits de ce que nous avons vu, tant au plan de l'organisation des ressources humaines que des infrastructures elles-mêmes. Voilà, c'était donc le secrétaire général de la Confédération africaine d'athlétisme qui disait beaucoup de bien de ce parcours de Chleuf. Et pratiquement, c'est fait. L'organisation, elle aura lieu ici à Chleuf l'année prochaine, 2018. On doit mettre l'accent sur ce pôle de développement, Abdelnour Belkhir, la région de Chleuf. Chleuf, Bourgouaraïj, Aïn Defla, Ouled Mimoun. Mais Chleuf, plus spécialement, il y a beaucoup d'athlètes, de grands champions qui sont sortis de cette région. Oui, la preuve, pour preuve, la réussite de cette dernière édition, hein, une compétition qui est bien installée au calendrier de la fédération et surtout qui est pratiquement le plus grand classique du challenge de France avec celui de la Soumam. À chaque année, elle a mis si vous voulez, en mouvement l'ensemble des forces vives du cross-country. Et Chleuf restera toujours le creuset où fermente pratiquement toutes les élites. Donc il va falloir que l'on mette tous les moyens possibles et imaginables aux organisateurs. Et la dimension internationale doit grandir également. Voilà. Oui, bien sûr. D'autant plus que je voudrais rajouter justement à propos de ce cross. Il faut dire aussi que les autorités donc, de la ville de Chleuf, notamment M. le Wali et M. le maire, qui ont mis à la disposition de la Ligue de Chleuf tout le parcours avec une décision d'attribution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire sur ce parcours. Ou faire autre chose. Absolument. Que du cross. Ça ne reste... Des obstacles à l'ancienne. Absolument. Absolument. Ce qu'il faudrait maintenant rajouter et dire, et on le souhaiterait de toutes les manières, il faut que la prochaine fédération qui va s'installer... Oui. Doit effectivement canaliser tous les efforts pour mettre en valeur encore davantage le cross de Cluj dans le calendrier international de l'IAF. Ça, c'est très important. C'est important. Moi, en ma qualité d'athlète, ex-athlète, j'ai fait des crosses, des compétitions internationales. J'ai vu par exemple, je cite entre autres, le cross d'El Goebar. Goebar, c'est un tout petit village. En Espagne. En Espagne, la région basque, il est ancré entre deux chaînes de montagnes. La vallée. Dans une vallée, un petit cours d'eau à côté, et puis le cross rassemblait pratiquement 60 pays, et pas des moindres. Hein. C'est des,
Il était inscrit. Bon, maintenant, je ne sais plus. Mais moi, je me souviens, à l'époque, j'ai participé 4 ou 5 fois à ce cross d'El Goyeba. Et en plus, ce n'était pas un parcours classique. C'est un parcours qui sort de l'ordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on courait. Ouais. On courait sur quand c'est petit. Donc, ils ont retracé le parcours sur le chemin de fer. Ensuite, on descendait les escaliers. On rentrait dans une cité. On remontait la cité. Très beau décor. Atypique. Oui, oui, mais pas, ça sort un petit peu de, ça sort un peu de l'ordinaire. De voilà, ça sort parce qu'on nous faisait rentrer dans une usine, une vieille usine de tours, etc., d'ajustage et tout. Donc ça, c'est dangereux pour les athlètes. Mais il n'empêche, il drainait un nombre d'athlètes énorme. Ami Abdelkader ? Oui. Ami Abdelkader, je voulais tout simplement dire qu'il y a un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est celui du sponsoring. Il y a des gens là-bas qui donnent quelque chose. Oui. Il est temps de renvoyer un petit peu l'ascenseur à ces gens-là qui s'intéressent à, oui, à la course à pied. C'est pas spectaculaire, oui. C'est pas le foot. Le foot, c'est un impérialisme, oui, dans le sport. Oui. La course à pied, c'est le... C'est le parent pauvre. C'est le parent pauvre du sport. Le parent pauvre. Et le pauvre. Voilà. Et il y a la solitude du coureur de fond. Oui. C'est fort ce que vous dites. Il est excellent, le coureur de fond, et quand on est seul. Il a senti à maintes reprises. C'est pas le... C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que la course à pied, c'est la course de l'athlète qui court en solitaire. Mais c'est surtout la dynamique, si vous voulez. C'est un sport individuel qui a un caractère collectif et la communion qui peut exister entre chaque élément peut donner, si vous voulez, de l'élan et de l'enthousiasme à la pratique, surtout chez nous. Très bien. Alors, c'était au Cross Clouche. Et pour parler cette fois-ci de l'ambiance, Bouala Marhoui, vous étiez présent, ainsi que Ami Abdelkader également. L'ambiance était particulière ce jour-là, avec vraiment toute la famille de l'athlétisme algérien qui était réunie. On a les images, on va les voir d'ailleurs. Ouais, bah oui, bien sûr. Là, c'était une journée splendide, d'autant plus qu'il faisait beau, le ciel était bleu, le soleil. Il y avait la musique, oui, la fanfare. La musique. Ouais, la fanfare, la musique, il y avait bien sûr, oui. Les gens étaient heureux, il y avait beaucoup de monde. C'est vrai, c'était une journée ensoleillée. Hein, C'est une belle journée justement pour ce grand. Ça a été une réussite, vraiment, vraiment une réussite. Hein. Voilà, on va écouter encore mieux le son de l'ambiance qu'il y avait. Oui, bien sûr. Non, mais il y avait toutes les familles rassemblées, notamment la famille du Shahid Klouch qui était présente, oui, fidèle au rendez-vous. Comme toujours d'ailleurs, comme toujours. Ils n'ont jamais raté. Très bonne organisation, de bon niveau d'ailleurs. Et la présence du Wali de Chlef et du président du comité olympique algérien. Le Wali, le président du comité olympique algérien, il y avait Hamad Abdelrahman, notre sauteur, le champion olympique, il y avait Madame Bini Damrah, oui, il y avait Morsley Nourdin, Morsley Abdelrahman, son frère, donc il y avait tout Barahmiya, il y avait Habchaoui, il y avait... Levé des couleurs. Oui, il y avait le levé des couleurs. Il y avait... Non, c'est quelque chose de formidable. Et la famille du Shahid, oui, Ahmed Klouch, oui, les petits-enfants également, oui, qui sont là, oui, présents. Ah ben oui, bien sûr. Oui. Qui, voilà, font l'honneur à toute la famille. Non, vraiment, c'est... Voilà, c'est quelque chose de bien. C'est très bonne organisation. On va écouter d'ailleurs les intervenants sur justement la bonne organisation de la direction de la jeunesse et des sports et de la Ligue également de Chlef d'athlétisme. Je suis très heureux du déroulement de ce cross qui s'apparente à un cross de niveau mondial. C'est un cross international qui, je pense, va connaître encore d'autres maîtres de noblesse. Je félicite à l'occasion les responsables et à leur tête, M. Louali de Chlef, pour la parfaite organisation. Pratiquement, je viens chaque année et j'encourage beaucoup l'athlétisme algérien généralement, en général le sport algérien. J'encourage beaucoup l'athlétisme et surtout les crosses. Je les suis de loin, mais Klouch, à chaque fois, je suis présente. Et d'ailleurs, j'étais ici championne d'Algérie de cross. En 2000, j'étais championne d'Algérie. Le cours, 4 km court. Et c'est un climat que j'adore. Nous vous remercions pour cette وإن شاء الله إحنا بالنسبة لنا هذا الطبعة 44 للسباق الدولي الشهيد أحمد دكلوش هي تحضير للبطولة الإفريقية للعدو الريفي المزمع عقدها بمدينة شلف في سنة 2018.
التظاهرة لهذه السنة كانت دولية بحضور 5 دول بعدائين مميزين. لجنة التنظيم اتخذت كل الإجراءات اللازمة من أجل تحضير كل الإمكانيات لتسمح بإجراء هذه المقابلة هذه التظاهرة في ظروف جيدة. تزامنت كذلك هذه الدورة بحضور الوفد الإفريقي المتواجد على مستوى التراب الوطني من أجل معاينة سواء مضمار تلمسان أو مسلك الشقة بيشلف وأبهره سواء من جانب التنظيمي أو من جانب المكان أو من جانب كل شيء أبهره على جميع المستويات. On a vu beaucoup d'ambiance sur le parcours, notamment la course des seniors hommes. On a vu la victoire de Bouchicha Hicham au dernier mètre. Et bien sûr, je dirais bravo aux organisateurs locaux. Et bien sûr, la Ligue d'athlétisme de la Wilaya de Chlef et ainsi la DGS de la Wilaya de Chlef. C'est de l'ambiance qui régnait. Il ne manquait que vous, Abdennour Belkhir, à Chlef. Et tout le monde demandait après vous où est-ce qu'il est Abdennour, où est-ce qu'il est Cheikh Abdennour. C'est tout le monde aurait aimé que vous seriez présent. Enfin, ça me touche, ça m'émeut même. Moi, j'ai eu le privilège, l'honneur et le privilège d'assister à peut-être une vingtaine ou une trentaine d'éditions pour ce qui est du Challenge Cloche. À chaque fois, j'ai été franchement agréablement séduit, d'abord par la réussite sur le plan sportif, mais aussi pour l'accueil, pour pratiquement l'hospitalité légendaire des responsables de Schleck, parmi eux, M. Abdelkader Cloche, et avec une équipe aussi dévouée de dirigeants. Toutes les éditions ont marqué pratiquement toutes les délégations qui ont pratiquement transité durant de longues années, et avec les Rahou, comme je disais, avec les Della, avec les Hamouni, avec M. Cloche et puis d'autres jeunes qui ont pris le train en marche, je pense que le challenge en question ne prendra aucune ride, bien au contraire, il atteindra quand même un plus haut succès d'estime générale à l'avenir. Et c'était l'occasion également de renouer avec tous les amis. Certains ne se sont pas vus depuis des années, n'est-ce pas, Rahoui? C'était... Oui, bien sûr. J'aimerais oui. bien qu'on me prépare le VTR concernant l'anecdote racontée par Rahoui. C'était le moment de retrouver toute l'ambiance et tous les amis, n'est-ce pas? Voilà. C'est... Oui, bien sûr, c'était une anecdote, mais elle est authentique et réelle. On va tout d'abord l'écouter, oui, si vous sûr. Permettez, en présence oui, de l'intéressé. Ah, oui, bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Allez, bien on sûr. Écoute l'anecdote. Oui, bien sûr. On écoute l'anecdote, s'il vous plaît, au niveau de la régie. On l'avait commandée, elle va arriver et ça va partir. Marbrahmiya viola Suède. إلا كان ممكن نطلب منه تسرح إلا خليني نحكيها إلا خليني حتى يحكيها قديمة يحكي لنا عمر إبراهيمية واحد النهار تروحنا لاسويات كي رحنا لاسويات عندنا 300 متر 3000 متر نشريوها يجيني عمر إبراهيمية الأخ عمر وحنا كنا يعني شغل عائلة ما كناش هذوما بيناتنا يقول لي شوف يا ابو علا من اليوم نعطيك طريحه في 300 متر قلت له واش عليه يا عمار يا انا نجي لدي ميل انا نجوج روحي لدي ميل متر قلت له بصح الا ربحتني اليوم نسكت راك ربحت قلت له بصح الا ربحتك نشدها لك حتى الممات وما تكون عندنا فرصه نتلاقى ونجبدها له هذه باش نذكروا بها تقعدوا ذكريات حتى الممات كما وعدتو اما اللي ادينا السباق انطلقنا في السباق درنا واحد 3 دورات هي فيها 7 دورات ونص درنا 3 دورات كي قعدت طالع نشوف قدامي عمار كي شفت عمار قدامي نجري جبت المايو تاعي من الشورت هكذا طلقته فوق الشورت وكي جلس عليه درته في دار قلت له اي عمار هي غاول احكم قلت له في الشيخ يبان يجبدك غمل جاي من عمار شوف هذه بسم الله الرحمن الرحيم دوكا الحكايه دي كاينه منها ربحني مرة واحدة في حياتي دوك يبقى جابدها لي مدى الحياة خلاص كنت مرة واحدة مرة واحدة فعلا بطل لا لا صراحة كلهم أبطال il reconnaît la Ammar Brahmiya. C'est une ambiance particulière, je peux vous le dire, puisque nous étions sur place pour le constater.
une belle histoire que vous allez raconter à chaque reprise. Ah bah oui, bien avec sûr. Grand plaisir. Ah bah oui, c'est avec un très grand plaisir un âge à raconter, ou aussi de l'écouter. Hein. Ouais. Moi, il m'a provoqué. Il, il n'a pas le choix. Ouais. Parce que c'était réel, c'est authentique. Ammar, à cette époque-là, il courait 800, 1500 et tout, il voulait monter sur 5000, donc il préparait Mohamed Yamal. Rabbi le Khalouchif, Inch'Allah, j'ai appris qu'il était un peu fatigué. Donc, de vouloir courir le 3000. Il m'a provoqué, donc, là, juste au moment. Il a tenté le diable. Et justement, juste au moment du départ, j'ai dit, on a préparé 10 000, il a craqué 10 000, on a ingéré 10 000, il a détecté, on a ingéré 10 000. Et c'est comme ça que c'est parti. Ça, ça se passe comme ça, jusqu'à voilà. La fin. Et c'était un plaisir de vous retrouver sur le parcours de Chlef. Et surtout, c'est cette ambiance qu'on aimerait décrire à la famille de l'athlétisme aujourd'hui, dans ces jours, un petit peu où il y a un petit passage à 8. On va vous proposer des images d'un reportage en 76. Avant ça, peut-être oui, Mokhtar, bien sûr, il ne faut pas oublier Mahrez qui a vécu ces moments. Et Mahrez qui a vécu. On a eu l'idée de rassembler toute la famille qui était présente. Il y avait Hakim Toumi, il y avait Yassir Loué, les lanceurs, Mahor Bacha. Et on s'est dit que c'est Mahrez qui est de cette génération, notre ami qui est à la retraite, qui a retrouvé le micro, son micro, le temps d'un cross à Chlef. Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes concernant Boualama. Il en a tellement été un butineur de blagues, d'anecdotes que j'en connais pas mal. Hein. Tout à l'heure, si vous avez un peu de temps, je vous raconterai une. Allez, on passe le VTR concernant le reportage, un extrait de reportage en 75 réalisé par Abdelkader Hamani. On revient juste après. Parmi eux, Boualla Mrahoui, médaille d'or du 3000 mètres steeple au dernier jeu méditerranéen d'Alger. Mon meilleur temps sur 3000 cibles avant les Jeux méditerranéens, 8-29-6, c'était en 73 à Moscou. Et tu as réalisé 8 minutes 20 secondes. Exactement. Aux Jeux méditerranéens. Oui. Quels sont tes objectifs sur le plan chronométrique, si tu veux? Je pense que tu prépares cette distance aux Jeux olympiques. Exactement, oui. Je passe en priorité le 3000 cibles, étant donné que je suis beaucoup plus près des athlètes mondiaux sur cette discipline que sur les autres. Je tenterai également ma chance sur le 10 000 mètres, parce que le 5 000 c'est un peu plus rapide peut-être, et puis nous n'avons pas suffisamment de temps. Tu penses qu'il y a moins de 8-20 à Montréal? Je le pense. Je pense quand même réaliser une bonne performance. Je ne pourrais pas dire peut-être 8-20 ou moins de 8-20, mais je pense quand même, en fonction des jeux, je dois réaliser moins de 8-20 si je voudrais concourir, ne serait-ce qu'en finale. Pas prétendre à une médaille, parce que pour prétendre à une médaille, il faut quand même réaliser mieux que le record du monde. Voilà, même Ammar Brahmia va se reconnaître en t-shirt blanc et short rouge. C'est un beau truc, hein. Hein, ouais. Des archives, ça vous marque, qu'est-ce que ça vous fait de revoir un petit peu? Et vous étiez raisonnable, hein, il fallait descendre sous les 8-20 pour prétendre à une médaille à l'époque. Oui, il y a eu le boycott, manque de peau. Oui, bien sûr, 76 c'était quand même, c'était pour moi, elle aurait pu être un peu bouquet, un peu l'apothéose. C'est vrai que je me préparais en fonction d'une médaille pour le podium, mais j'étais conscient que pour monter sur le podium, il faut courir moins de 8-20. Puisque le record du monde, déjà à cette époque, il était 8-10. Vous étiez conscient que vous êtes passé près d'une carrière vraiment où vous auriez pu être un champion olympique? Vous savez, je vais vous dire une chose, Mortal. Il y avait les Allemands de l'Est, l'ex-RDA, qui venaient s'entraîner pratiquement chaque année avec nous. Il y avait le docteur Boule et l'entraîneur Schmidt. Dans la délégation, il y avait le coureur allemand Baumgartel, celui qui a réalisé la médaille d'argent à Montréal. Là où nous, on avait le boycott, donc on s'était retiré. Et dommage. Ouais. C'est dommage. Cet athlète, dans la journée Olympischen Tag, c'est grâce à moi qu'il a pu réaliser les minima pour aller à Montréal. Parce que son entraîneur m'avait demandé de lui servir un peu de lièvre, de l'aider pour réaliser ce minima qui était déjà de l'ordre de 8,25. 8,25 déjà, c'était le barème, t'as l'ex-RDA, t'as les Allemands. Alors que le barème olympique, il était à 8,30.
Je rappelle que les Allemands de l'Est se préparaient chez nous. C'est les dernières secondes de cette émission. Merci à vous, Bouala Marahoui. Merci. Un dernier mot, surtout un message pour la jeunesse de la part de Amir Abdelkader Klouch, le frère aîné du Shahid Klouch, pour terminer. La jeunesse, on a beau donner des conseils, mais ils n'en font qu'à leur tête. Ils couraient nus, pieds nus. Très bien. Ils couraient pieds nus, aucun saïn pour le championnat de France. C'est dire le sacrifice que doit consentir un jeune pour arriver à la gloire. Voilà, c'est un message. Vous aurez tout compris à travers ce message et ce qu'était Shahid Ahmed Klouch, Rabbi Rahmou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Abdennour, merci Wahiba. Merci à nos amis, donc Boualem Rahoui et M. Klouch. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain pour un prochain numéro.